Alors, pour continuer cet après-midi de workshop live, j'ai le Voilà. plaisir d'accueillir Antonella Villan, qui est fondatrice et dirigeante de l'entreprise Ma Création d'entreprise.fr. Bonjour Antonella, bienvenue sur le salon professionnel. Mais c'est pas démarré déjà. Super. Alors, bonjour et bienvenue. On démarre le sujet, les 5 idées reçues à balayer eh bien, pour éviter les galères. Donc, c'est un vaste, vaste sujet que j'ai prévu de vous partager. J'ai un diaporama que je souhaiterais eh bien, vous montrer, du coup, puisqu'on n'a pas eu le temps de le paramétrer avant. Si ça veut bien. Alors, oui, donc hop. Voilà. Et on se met en grand écran. Alors, normalement, ça fonctionne. C'est tout bon? Donc, pourquoi ce sujet? Eh bien, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que je rencontre beaucoup de porteurs de projets et notamment de porteuses de projets qui n'osent pas démarrer leur activité, enfin, en tout cas, leur nouvelle vie professionnelle, leur reconversion, tout simplement parce que, eh bien, elles ont ces idées reçues et qu'elles n'arrivent pas à les balayer. Et donc, c'est des idées reçues qui, franchement, eh bien, freinent l'envie d'entreprendre ou tout simplement amènent des entrepreneuses et des entrepreneurs à arrêter leur activité très, très vite après le démarrage. Alors, les 5 idées que je veux qu'on balaye ensemble aujourd'hui, c'est 1. Entreprendre, c'est une course de fond. 2. Il faut de l'argent pour réussir. J'ai vu qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une des dernières conférences. 3. Les questions juridiques et fiscales sont complexes et déterminantes. 4. Il faut un moral d'acier et c'est une question de tempérament. En gros, ce n'est pas pour moi si je ne l'ai pas. Et 5. Il faut connaître les bonnes personnes et avoir un réseau pour lancer son activité professionnelle. Voilà les 5 idées reçues qu'on va abattre ensemble. À chaque fois, je vais vous dire pourquoi ces idées sont fausses et systématiquement, on va voir ce qu'on devrait penser à la place et par quoi on pourrait remplacer cette idée ou par quelle décision, quelle action on pourrait faire à la place. Donc, première idée reçue, entreprendre, c'est une course de fond. Alors oui, comme ça, ça a l'air long, périlleux, douloureux, difficile d'entreprendre, mais en fait, ce n'est pas une véritable course de fond. C'est une course de fond uniquement dans l'idée où il va falloir apprendre à gérer son énergie, c'est-à-dire son énergie au quotidien, parce que c'est une aventure qui prend du temps à démarrer et qui, une fois qu'elle est lancée, il faut aussi savoir gérer son quotidien, son émotionnel, ses hauts, ses bas, qui font partie de la vie de l'entrepreneur. Mais par contre, ce n'est pas une course de fond dans le sens où il n'y a pas une ligne d'arrivée. En fait, ce n'est pas « je fais un marathon de 42 km et puis quand ça y est, j'ai mon cabis, je suis arrivée ». Ce n'est pas du tout ça. En fait, l'entrepreneuriat, c'est plutôt tous les jours des courses, tous les jours, on va dire, avec des lignes d'arrivée très, très fréquentes qui vont se retrouver tous les kilomètres et où il va falloir que soit, en tant qu'entrepreneuse, eh bien, on développe notre capacité à avoir des plans d'action à très court terme avec des micro-objectifs pour très souvent pouvoir se féliciter d'avoir fait ce pas-là, très souvent aussi pouvoir faire un point, dire est-ce que je suis dedans, est-ce que mon activité va bien ou est-ce qu'il faut que je réoriente des choses. Donc, ce n'est pas une course de fond avec un très, très long horizon. C'est vraiment une histoire de micro-objectifs et de chemin à parcourir. Le danger, si on continue de penser qu'entreprendre, c'est une course de fond, eh bien, c'est qu'on va croire soit qu'on va pas y aller parce que c'est trop douloureux pour soi, soit qu'on a le temps finalement parce que c'est une course de fond, c'est quelque chose de longue haleine. Donc, je m'y mettrai quand j'aurai vraiment le temps. Et donc là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver, en tout cas beaucoup de femmes, souvent, on a tendance à procrastiner. On remet au lendemain parce qu'on se dit « bon, je ne suis pas prête, je n'ai pas le temps, je verrai ça quand j'aurai plus les enfants qui auront ce stage-là, quand mon mari fera autre chose, quand dans ma vie sera passé ceci, cela. » Et puis finalement, on n'avance jamais. Et puis, le pire du pire, c'est pour celles qui ont déjà quitté un emploi et qui sont dans une situation d'aide, avec notamment Pôle emploi, et qui du coup se disent « bon, j'ai le temps parce que j'ai 20 mois de chômage, 23 mois de chômage, peut-être 36 mois de chômage », et qui ne démarrent pas tout de suite l'aventure, dans le sens où le fait de se préparer à se lancer dans l'entrepreneuriat, et qui vont se retrouver dans le stress et l'urgence économique, parce que finalement, à force de traîner sur les 6-12 premiers mois, eh bien, le compteur passe très très vite, et quand on se met à vouloir vraiment entreprendre, on n'est pas contre le fait d'avoir un ou deux mois de plus, on va dire, pour solidifier, se préparer et bien lancer les choses. Donc, par quoi on pourrait remplacer cette idée reçue que l'entreprendre est une course de fond? Moi, je pense qu'il faut remplacer cette idée par une décision. Et une décision importante, une décision cruciale, c'est l'idée de se dire que, en fait, pour réussir, il faut passer dans une modalité d'action. C'est ce que j'appellerais l'effectuation
guidée et contrôlée. Alors, l'effectuation, certains ont déjà entendu parler, c'est le fait en fait d'avancer par essai-erreur. Mais avancer par essai-erreur, ça ne fait pas des success stories, ça fait rarement que du bonheur. Donc, on en parle beaucoup, l'effectuation pour que les gens osent se lancer, etc. Mais l'effectuation tout seul, ça ne donne pas beaucoup de bons résultats. En revanche, l'effectuation guidée, contrôlée, où on est monté en compétence soi-même, où on sait quel est l'itinéraire à emprunter, où on a des personnes à qui parler pour, au fur et à mesure de ses avancées, de ses micro-objectifs, voir si ça se passe bien, ben ça fait avancer. Donc, ça, c'était l'idée reçue numéro 1. L'idée reçue numéro 2 que je veux voir avec vous, eh bien, c'est il faut de l'argent pour réussir. Ça, c'est vraiment une idée reçue qui est plus que répandue et qui est plus que même ancrée en nous depuis des générations et des générations. Alors, il faut de l'argent pour réussir. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot réussir, hein, ça dépend de ce qu'on met derrière le mot argent. En tout cas, ce que je sais, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, les startups, c'est les structures qui, aujourd'hui, en termes d'entrepreneuriat, lèvent le plus d'argent pour démarrer, lancer leur activité. Et en même temps, c'est elles qui se crachent le plus. Hein. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément corrélé. Hein. Donc, on va dire que si on dit que la réussite, c'est forcément être le premier sur un marché international, évidemment, il faut de l'argent pour réussir. Mais on n'est peut-être pas obligé de viser ça. Et ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de gens qui sont dans un cadre de reconversion professionnelle n'ont pas en fait envie d'avoir une énorme structure. Ils veulent avoir une vie épanouie, une vie qui leur ressemble. En tout cas, moi, chez ma création d'entreprise, depuis 15 ans, c'est des personnes comme ça que j'accompagne, des gens qui veulent faire du sens au quotidien, qui veulent être en paix avec ce qu'elles font comme activité, avoir de l'éthique au quotidien. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément l'argent qui est la ressource clé pour réussir. Ça va être tout le reste. Dans tout le reste, eh ben, c'est déjà être au clair sur sa vision. Comprendre que finalement, à remplacer finalement cette idée reçue hein, par une autre, qui n'est pas une idée reçue du coup, mais qui est par une autre pensée, qui est de savoir que la plus grande ressource, c'est finalement pas l'argent, c'est souvent son temps et ses compétences. Et ça, c'est vraiment primordial, en tout cas pour tous ceux, celles qui vont vouloir entreprendre dans un projet que j'appelle de type travailleur. Un projet de type travailleur, c'est un projet entrepreneurial où finalement, la personne va être rémunérée en fonction de son temps de travail. Et c'est 80% des projets. Donc, demain, je m'installe comme coach, comme esthéticienne, comme consultant, comme freelance en informatique, comme conseiller en marketing, comme service à la personne. Toutes ces activités-là sont des activités où on est rémunéré en fonction de son temps de travail. Et pour ce type d'activité, eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter par rapport à la somme d'argent nécessaire pour réussir et pour démarrer, parce que c'est faisable avec un petit budget. Donc, le danger, si on reste dans cette croyance, eh ben, c'est de jamais se lancer. C'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Donc, on a tout intérêt à la balayer de toute urgence. Alors, l'idée numéro 3, je vais vite parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'espère que je ne vais pas trop vite. Pour me le dire si c'est le cas. L'idée numéro 3, eh bien, c'est les questions juridiques et fiscales sont complexes et déterminantes. Ça, c'est une idée aussi qu'on retrouve beaucoup et qui est très franco-française finalement. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver si on va outre-Atlantique parce que ce n'est pas la même culture. Alors, pourquoi on pense ça pourquoi on en est arrivé à cette croyance-là? C'est vrai qu'en France notamment, on a cette culture de, on va dire, on est le bon petit élève et puis au-dessus de nous, il y a les gens qui savent, les gens qui ont un costume, les gens qui font partie des réseaux, des structures parapubliques, publiques, les gens qui ont un métier réglementé, qui sont des docteurs, des avocats, et qui du coup ont beaucoup d'emprise sur nous parce qu'on les a toujours érigés sur un piédestal. Mais il faut voir aussi que c'est des sujets sur lesquels on trouve beaucoup d'articles de presse, notamment dans les médias, parce que finalement, c'est assez facile d'écrire un article sur des questions juridiques et fiscales. On en écrit beaucoup. Alors que c'est beaucoup plus compliqué de faire un très bon article qui va parler de repositionnement professionnel, de marketing éthique, de choses qui font du sens au quotidien, qui sont des sujets plus mous, plus délicats, qui demandent plus de finesse, de psychologie. Et donc, on en parle beaucoup de ces questions juridiques et fiscales, on en parle trop par rapport à l'importance finalement qu'elles ont quand il s'agit de créer sa boîte. Pourquoi je dis ça ?
Parce que 90% des gens qui vont lancer leur boîte ne vont pas lancer une multinationale avec besoin d'un pacte d'associés et tout ce qui va derrière. Donc les choses vont être quand même assez simples. On va simplement faire de l'optimisation juridique et fiscale, s'assurer en gros que le statut est le bon par rapport à son activité. Et là, quand on a dit ça, on a finalement tout compris. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces questions juridiques et fiscales font peur? Parce que quand on se lance, on ne sait pas répondre à ces questions. On lit des articles sur le sujet, mais on ne comprend rien. Et en fait, on ne comprend pas que pour bien décider de ces questions juridiques et fiscales, il faut avoir au préalable bien positionné son projet. Si on est au clair sur qui je suis, à qui je vais vendre, quel est mon objectif de chiffre d'affaires, finalement, quelles sont mes contraintes juridiques, enfin, quelles contraintes réglementaires liées à ce métier. Est-ce que je vais avoir une équipe? Est-ce que je ne vais pas avoir d'équipe? Comment ça va se passer quand on a positionné le projet, hein, qu'on l'a bien visualisé, qu'on l'a bien emballé? Finalement, ces questions juridiques et fiscales, elles vont couler de source. Et ça va être beaucoup plus naturel qu'on ne l'imagine. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans une de mes conférences, les 6 étapes clés pour entreprendre en sécurité, qui est disponible sur le blog. Vous pouvez retrouver à n'importe quel moment. Et qui va vous permettre de vraiment comprendre pourquoi finalement la plupart des gens rentrent par cette case-là et à la fin perdent énormément de temps, alors que quand on prend les choses dans le bon ordre, eh bien, ça prend quoi? Ça prend une journée pour décider de tous ces sujets-là au lieu de réfléchir dessus et de se ronger les ongles des mois et des mois. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, le danger, si on reste sur ce sujet-là, vous l'avez compris, c'est de tergiverser des jours, des semaines, des mois sur des points qui vont en fait se résoudre tout seul à la fin, quand on aura bien positionné le projet. Donc, par quoi est-ce qu'il faut remplacer cette idée reçue? Il faut la remplacer par un plan d'action. Et là, c'est vraiment important. Et le plan d'action, c'est de suivre les chantiers qui sont nécessaires à toute reconversion professionnelle quand on veut aller dans l'entrepreneuriat, dans l'ordre. Et le premier chantier, c'est mon bilan personnel. Est-ce que je veux entreprendre? Comment je veux entreprendre? Qu'est-ce que je suis prêt à prendre comme risque? Comment je veux vivre ma nouvelle vie, ma vision, mes contraintes, mes envies? Une fois qu'on a mon bilan personnel, on a une idée qui a germé, on va valider cette idée, on va faire son étude de marché, c'est l'étape 2. Ensuite, on va valider comment on va faire pour vendre. Une fois qu'on sait qu'on est capable de vendre, à qui on est capable de vendre grâce à l'étude de marché, on va voir comment on va vendre. C'est l'étape 3, c'est le marketing, la vente, le commercial. Et puis après, on va passer à la rentabilité, au prévisionnel, à tout ce qui est donc lié aux chiffres. Et après, on va, grâce à toutes les réponses qu'on a obtenues en montant chacune de ces étapes, on va pouvoir décider tout naturellement du statut juridique, de l'optimisation fiscale et sociale, de toutes les questions qui vont se poser dans cet angle-là. Et après, on sera capable de lancer. Enfin, c'est les 6 chantiers. Si on les fait dans cet ordre-là, on gagne un temps phénoménal. Et ça vaut vraiment le coup d'arrêter d'entretenir cette idée reçue sur les sujets juridiques et fiscaux. Alors, l'idée reçue numéro 4 que j'aimerais vraiment balayer avec vous, eh bien, c'est il faut un moral d'acier. C'est une question de tempérament. Alors, oui, il faut avoir le moral. C'est vrai qu'il faut avoir le moral, c'est une question clé quand on entreprend. Si on est vraiment complètement down quand on se lance dans son activité, ça va être très difficile. Mais on n'a pas besoin d'avoir un moral d'acier de naissance. Le moral d'acier, ça se cultive. Exactement comme un sportif qui fait sa gym tous les jours, eh bien, il y a des méthodes pour pouvoir avoir un bon moral quand on est entrepreneur. La première des choses, j'ai envie de dire, pour avoir un bon moral d'acier, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Donc ça, c'est très important. Et vous allez voir que finalement, pratiquement la moitié des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui n'avaient pas le moral avant parce qu'elles sortent d'un burn-out, eh bien, au final, le fait déjà de se remotiver, de s'élancer sur un sujet qui les fait vibrer, ça va résoudre quasiment tous les problèmes. Et puis ensuite, il va y avoir la gestion du quotidien entrepreneurial parce que on a des doutes, on ne sait pas faire. Donc, pour pouvoir avoir un moral d'acier, il faut monter en compétence soi-même, maîtriser qu'est-ce qu'on entend par étude de marché, qu'est-ce qu'on entend par prévisionnel, comment on fait des ventes, comment je vais m'y prendre pour me faire connaître. Si je maîtrise tout ça, j'ai beaucoup plus le moral parce que je me sens moins dans une zone de fragilité, dans ce qu'on appellera la zone de panique si on regarde les zones d'apprentissage. Donc, du moment qu'on n'est pas dans cette zone de panique, on est dans une zone de confort et donc, du coup, on a un bon moral. Et puis, la dernière chose, pour avoir un moral d'acier, c'est savoir bien s'entourer. Donc, ça, c'est un sujet qu'on pourra réévoquer, que j'évoque beaucoup. Il y a l'entourage personnel, l'entourage familial et puis le reste de l'entourage qu'il va falloir cultiver au mieux. Alors, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes. Au niveau de l'entourage familial, il faut déjà apprendre tout simplement à discuter avec son conjoint, son partenaire, de son envie d'entreprendre. Donc, ça, ce n'est pas évident.
Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui vous prend par la main pour vous aider là-dessus. Chez ma création d'entreprise, donc ça fait 15 ans qu'on bosse sur le sujet. On a un associé qui est psy, on a développé une méthodologie complète pour parler avec son partenaire de ce qu'on veut avec ce projet d'entrepreneuriat, ce qu'on est prêt à voir changer dans sa vie, ce qu'on n'est pas prêt à voir changer dans sa vie, et puis recueillir ce que l'autre en pense, et puis rentrer dans cette phase de négociation qui va faire qu'au final, on va avoir une cellule familiale qui va être soudée autour du projet. Ça, c'est très important parce que ça fait bien 50% du quotidien, son entourage familial. Donc, si on n'est pas soutenu dans son propre foyer, ça va être quand même difficile. Donc, le fait de bien négocier cette étape-là, c'est important. Et puis après, c'est aussi apprendre à gérer le reste de son environnement, le reste de son entourage. Donc, quel type de réseau je rejoins, pourquoi faire, ça aussi, c'est important. Il y a beaucoup de réseaux pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Il y a des réseaux qui sont très intéressants, mais ça dépend de ce qu'on va y chercher. C'est-à-dire, est-ce qu'on va chercher un réseau pour faire du commercial, comme il y en a beaucoup, 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 des réseaux finalement de rencontres. On est là un petit peu pour se placer, pour placer sa carte de visite et avoir des prospects. Ou est-ce qu'on est sur un réseau où on est là pour se soutenir, s'entraîner, se donner de la motivation? Ça, c'est un autre type de réseau qu'il ne faut pas sous-estimer et qui fait du bien. Et puis, y a aussi les réseaux d'apprentissage, les réseaux où on apprend ensemble, où on s'entraide ensemble, où on se critique mutuellement pour pouvoir avancer. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi chez nous pour que les entrepreneurs, quand ils se lancent, ils ne soient pas tout seuls après cette phase où ils se sont préparés à plusieurs. Donc, tout ça, c'est important. Le danger, si on pense que finalement, il faut un moral d'acier, sinon ça ne sert à rien, la première des raisons, le premier des dangers, c'est finalement de ne pas démarrer, quoi. Parce qu'on dit, j'ai pas assez le moral en ce moment ou j'ai jamais été très optimiste, donc ce n'est pas pour moi. On n'a peut-être jamais été très optimiste parce qu'on n'a peut-être jamais été à sa place dans sa vie professionnelle. Ça, y a beaucoup de monde qui ont eu une vie professionnelle qui ne leur ressemblait pas du tout et qui ont jamais eu plaisir au travail ou qui n'ont jamais eu un environnement professionnel, que ce soit les collègues, le secteur, les pratiques du secteur qui leur ressemblent et qui du coup se sont, entre guillemets, cramés toute leur vie professionnelle. Donc, il ne faudrait pas imaginer que en raison de tout ça, ils ont un tempérament pessimiste. Ce n'est pas du tout le propos. Ils n'étaient pas au bon endroit et peut-être que là, ça va être le bon endroit. Et puis, le deuxième écueil, si on pense qu'il faut avoir un moral d'acier, c'est la protection. Alors ça, c'est un petit peu plus délicat à comprendre, mais c'est très, très important. C'est l'idée de dire, s'il faut un moral d'acier, moi, je suis un peu fragile, par exemple, j'ai déjà vécu une période un petit peu de dépression ou moral un peu bas. Donc, s'il faut un moral d'acier, je vais surtout me mettre à couvert pour gérer cette situation. Et le réflexe naturel des gens, ça va être de chercher à ne pas se mettre la pression pour se protéger en disant, j'ai le temps, j'ai tant de chômage, j'ai une situation, j'ai un partenaire qui peut me permettre de ne pas avoir besoin de gagner ma vie sous telle date, etc. Et donc, du coup, on essaye de ne pas se mettre la pression. Sauf que dans la vraie vie entrepreneuriale, le fait que de se dire, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais je ne me mets aucune pression, statistiquement, moi, sur plus de 16 ans et pas mal de cheveux blancs, j'ai jamais vu des résultats faramineux avec ce genre de tactique. Moi, ce que je propose à la place, ce que je vous invite à faire, c'est de démarrer l'aventure entrepreneuriale, non pas avec une grosse pression, mais avec une pression simplement de processus. Et ça, c'est ce que j'appelle une saine pression. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, il faut qu'à telle date, j'ai atteint tel palier, telle vente, telle rémunération, etc. Non, on va s'engager sur un processus. On va dire, maintenant, je démarre et pour telle date, je vais être prêt à lancer mon activité. Maintenant, je démarre et ce que je sais, c'est que je vais faire 4 heures par semaine ceci, 5 heures par semaine ceci et ça va avancer au fur et à mesure. Et bien sûr, ce n'est pas évident de savoir combien de temps affecter à chacune de ces compétences clés, combien de temps je passe sur du réseautage, combien de temps je passe sur ceci, combien de temps je passe sur cela. Et c'est des choses qu'on va pouvoir tout simplement consolider, vous faire découvrir ou développer dans un parcours d'accompagnement initial. Donc, quand on est dans cette logique-là, c'est-à-dire une logique de processus et pas de résultat, on n'a pas une pression qui vous écrase, on a simplement, une hygiène de vie entrepreneuriale. Et dans cette hygiène de vie entrepreneuriale, justement, le processus, il va y avoir le processus aussi, gérer son hygiène de vie. Et quand on est entrepreneur, gérer son hygiène de vie, c'est de dire, j'ai besoin d'une heure de sport par jour, par exemple, et c'est calé dans mon agenda.
Et ça aussi, ça fait partie vraiment des choses qui vont vous permettre d'avoir un bon moral parce que vous avez une vie cohérente, vous avez du plaisir au quotidien, vous avez une vie qui s'aligne et puis vous gérez le bien le plus précieux dans l'activité entrepreneuriale, à savoir vous. Alors, ça m'amène à l'idée reçue numéro 5. Il faut connaître les bonnes personnes et avoir du réseau si on veut pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est aussi un vaste sujet. Alors, moi, je trouve que, autant on pouvait dire que c'était vrai tout ça, exact même, hein, il y a encore, 20 ans, parce que on était à l'époque, en gros, du fax et puis des déjeuners d'affaires. Il fallait rencontrer les bonnes personnes et donc se présenter aux bonnes personnes et espérer qu'ils allaient vous ouvrir les portes au bon moment. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment, on va dire, l'ambiance, hein. Aujourd'hui, on est quand même à l'ère du numérique, on est à l'époque du Zoom, on est à l'époque des réseaux sociaux. Donc, on est passé d'un bouche à oreille passif, poussif, où en gros une personne parlait à une autre personne de nous et qu'un jour, ça allait peut-être nous amener à un prospect qui peut-être un jour se transformait en client, à un levier formidable. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la communication sur Internet, avec le fait d'avoir un site Internet qui sera bien positionné, etc., on va pouvoir avoir peut-être 50 prospects par jour. 500 pour d'autres. Mais même si on n'en a que 50, si sur 50 prospects par jour, on n'arrive pas à transformer un client par jour, ce serait quand même terrible. Donc, on est vraiment dans une autre dimension. Donc, connaître les bonnes personnes et avoir du réseau, ce n'est pas aujourd'hui d'actualité. C'est une idée reçue qui était juste à l'époque de nos parents, mais qui n'est plus exacte aujourd'hui. Et puis, ça ne suffit pas. De toute façon, enfin, j'ai envie de dire, même si on connaît les bonnes personnes et qu'on a du réseau, si on n'a pas mis en place, formulé une offre commerciale qui soit vraiment adéquate par rapport à la cible de prospects qu'on a, à la cible de clients qu'on a, ben, on va perdre du temps et de toute façon, on n'arrivera pas à avoir vraiment des ventes et à développer une activité qui nous permet d'être serein au quotidien, sereine et de vivre décemment de son activité. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, même si on avait ces bonnes personnes et du réseau, si on n'a pas travaillé au préalable, eh bien, notre étude de marché correctement, et si on n'a pas mis en place une bonne stratégie commerciale avec une offre attractive, etc., eh bien, on va passer du temps pour rien dans du réseautage. Donc, voilà, on passe beaucoup de temps, en fait, chez nous, hein, sur cet item de l'étude de marché, sur la formulation de l'offre, sur la stratégie marketing et sur comment je vais faire pour communiquer. Parce qu'en fait, concrètement, ça prend pratiquement 2 à 3 fois plus de temps que tout le reste, hein, que la rentabilité, le juridique, etc. Parce que c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui va se voir à l'extérieur et c'est ce qui va faire que ça va marcher. Donc, le danger, évidemment, si on reste avec cette idée reçue, c'est d'attendre de rencontrer la bonne personne et puis de jamais démarrer. Sauf que voilà, ce serait vraiment dommage. On n'a pas besoin d'une bouée pour démarrer, on a juste besoin de se prendre en main. Donc, par contre, on pourrait remplacer cette idée reçue, eh bien, finalement, par le plan d'action de se former au métier d'entrepreneur. Et là, c'est important d'avoir cette idée, ce mot, c'est-à-dire quand je dis métier d'entrepreneur, c'est pas à la légère que je dis ça, parce que on a eu un métier, on était, peu importe ce qu'on était, on pouvait être, on peut faire du marketing ou de l'esthétique, peu importe, on a une compétence métier au départ. Et si on décide d'aller vers une reconversion entrepreneuriale, on va cumuler, alors déjà peut-être une reconversion métier, parce que parfois on a des gens qui étaient dans le marketing qui d'un coup d'un seul vont se lancer dans l'esthétique. Donc il va falloir déjà apprendre l'esthétique, on est d'accord. Mais il va surtout falloir apprendre le métier d'entrepreneur. Parce que maîtriser des compétences techniques dans n'importe quel sujet, ça ne sert à rien si on n'est pas en capacité, eh bien, de se faire connaître et de convaincre tout simplement du monde de nous essayer, d'essayer nos services, d'essayer nos produits. Et si on n'est pas en capacité de gérer son quotidien entrepreneurial, on va dire la routine qui fait qu'on est capable d'avoir des prospects, de les servir, de les satisfaire, d'encaisser et de suivre nos échéances fiscales, sociales, etc. Donc ça, c'est vraiment la clé. Donc remplaçons cette idée reçue par le plan d'action de je me forme au métier d'entrepreneur, je deviens une véritable entrepreneuse. Voilà, j'ai fait le tour de ces sujets. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais écouter vos questions. J'ai pas du tout regardé mon tempo. Est-ce que ça va? Antonella, effectivement, il nous reste à peu près 3 minutes pour conclure. Vous êtes passionnée
Et on sent que voilà, vous êtes très engagée sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Et elles sont nombreuses à vous suivre parce qu'on a 200 personnes là, qui sont connectées et qui ont suivi du coup votre présentation. Donc bravo Antonella. J'ai une question en fait concernant Éléonore qui vous demandait, pardon Isabelle, qui est maman solo. Et on lui conseille davantage le portage salarial plus que la création d'entreprise du fait des avantages du salariat conservé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais j'en pense que ça fait partie du point, l'idée reçue numéro 3, hein, pour bien décider de son statut juridique, fiscal et social, il faut être clair sur ce qu'on va faire. Et en fait, si on est au clair sur ce qu'on va faire, on va pouvoir faire une simulation, ça va nous prendre quoi ? Allez, même pas une heure de faire une simulation et de dire je compare ce statut-là par rapport au statut de portage salarial et de voir si économiquement c'est plus viable d'aller vers le portage salarial ou vers une autre solution. Mais pour pouvoir faire faire cette simulation, il va falloir savoir aussi d'autres éléments. C'est-à-dire, est-ce que la personne a encore un emploi à côté ? Est-ce qu'il faut qu'elle optimise son revenu parce qu'elle a besoin de très vite avoir le maximum de revenus ? Ou est-ce qu'au contraire, l'important, c'est qu'elle gagne du temps et qu'elle fasse moins d'administratif et plus de commercial ? Et si je veux faire moins d'administratif et plus de commercial, je vais naturellement aller vers le portage. Mais si je veux optimiser mon revenu, je ne vais pas aller vers le portage parce que ça va me coûter beaucoup plus cher. Donc ça, c'est des questions qu'on va pouvoir voir ensemble quand on aura finalisé, on va dire, la réflexion autour de l'idée du marché et de comment ça va se passer. Tout à fait. Ce que je propose d'ailleurs du coup aux auditrices là, qui vous suivent, c'est que vous avez des rendez-vous en fait au sein du salon professionnel. Vous avez un agenda avec des rendez-vous. Je ne sais pas, je pense qu'il vous reste encore quelques créneaux disponibles au niveau. C'est tout plein. En revanche, j'ai mis un lien tout en haut pour dire si vous voulez prendre un rendez-vous après le salon. Je vous envoie vers un formulaire de préinscription avec mon agenda à la fin pour qu'on puisse parler, j'espère, la semaine prochaine. Et puis, il y a aussi le blog qui est très riche et sur lequel il y a beaucoup de commentaires qui arrivent et on peut continuer la conversation aussi pour les personnes qui vont sur le blog et qui laissent des messages. Antonella, en fait, les visiteuses peuvent aussi aller sur votre fiche partenaire et cliquer sur le « être recontacté par le partenaire ». Tout à fait, aussi, oui. On a eu des contacts comme ça, c'est vrai. C'est mon premier salon avec Profession Online, j'ai oublié de le dire. Tout à fait, ça marche aussi. Voilà. Bon, en tous les cas, vous avez laissé des mots clés, comme « morale d'acier », donc c'est effectivement très important, surtout en ce moment. Une pression saine aussi, et le métier d'entrepreneur. Je pense qu'effectivement, vous avez bien su mobiliser en tous les cas sur l'idée qu'on ne s'improvise pas entrepreneur et qu'effectivement, c'est un vrai métier. Donc, un grand merci, Antonella, parce que c'était la première fois pour vous de participer au Salon Profession L. Merci pour votre engagement. Et on vous dit à très vite. Et puis, voilà, faites des petits pouces sous la vidéo d'Antonella si vous avez aimé sa présentation. À bientôt, Antonella. Merci.